Salut à tous, c'est Full Greg et bienvenue pour ce sixième épisode sur Sekiro. Alors on va essayer de survivre au serpent. Ah, un vrai ninja. Ouais, c'est tout joué. Hop, c'est par là. On va essayer de survivre. Il y a quoi par là-bas? En fait, je sais pas ce qu'on est parti par là-bas, je sais plus. Alors, en fait, là, je suis allé à un autre endroit, hein, on dirait. C'est pas par là qu'on devait aller en temps normal. J'ai vu une grosse bête. C'est pas là qu'il faut aller en fait. Ah, on est par là-bas. Voilà, je reprends le jeu après une bonne petite semaine. Alors, ça fait que. Je m'en rappelle pas beaucoup. Et là, j'ai eu de la chance. J'ai pas une faire bouffer. Ouais, ouais. On se calme, on se calme. Se calme. Alors, à peu près là, on connaît, Je fais le mec qui est mort. Alors attends, fallait où déjà? Je crois qu'il fallait en face. Oh, je sais plus. Oh, genre t'es sérieux là? Une grosse bête. Elle est où? Elle est là. Ah, il y a un truc là. Oula. T'as failli me faire peur à la caméra. Il faut rentrer dedans. Et là, on rentre. On écrève l'œil et après, faut aller au bout là-bas. Attends. Oh my god. J'ai re-rentré. Fais pas y crever l'œil. Ah bah ouais, si. C'est bien, c'est bizarre. Je pense qu'il faut aller par là. Graine de... De bouton d'or. Non, c'est pas par là qu'il faut aller. Ah, c'est bien ici, je pense, hein. Oh my god. Eh, faut aller où, là? Ah, faut aller là-haut. Ah, mais oui, mais tant que je regarde tout. Attends, les... Ah merde, je me suis trompé de bouton! Non, bon, on sait que c'est pas par là-bas. Parce que là-bas, y'a rien. Bah, y'a rien. Il y avait le petit. Le petit truc à prendre, mais y'avait rien de particulier. Non, ça me gonfle. Ah si, ça fait mal quand même. Ok, des dégâts de chute, ça fait mal quand même.
Parce que là, le serpent, il est excité là-haut. Il y a un truc que je sais pas où faut aller en fait. Non, je pense qu'il faut grimper, je pense. Bordel. Bah ouais, mais c'est trop. Si, faut monter là-haut là. On revient hein. Hop et ah d'accord. Ça y est. Il est pas content, mais j'ai réussi à le passer. Bon bah je suis mort. Ah la crise. Oh c'est abusé. Bon, j'ai compris où il fallait aller, c'est principal. J'ai compris où je voulais aller. Je suis content. Bon bah, mais je suis mort quand même. Allez, c'est parti. Je vais essayer de le faire assez rapidement. Alors là, faut s'accrocher parce que si on fait une chute directe, on se prend des dégâts de chute. C'est pas cool. Accroche-toi, parce que sinon on est mal barré. Alors, ce côté-là, en fait, quand tu le connais, tu peux aller tout droit, c'est rapide. Le serpent n'a pas le temps de. Il n'a pas le temps, il est parti. Pas de serpent, quoi. Ah, vu que j'ai passé la scène, il n'y a plus de serpent. Il n'y a plus de serpent, l'autre. Hein. Voilà, bon, en gros, j'aurai le temps de vous montrer tranquillement, en fait, compte. En fin de compte, j'aurai le temps de vous montrer. Vu que le serpent, bah, il va pas popper, vu que, bah, il va pas venir, vu que, en fin de compte, pour le jeu, je l'ai eu. En fait, il fallait venir ici, où j'étais bienvenu au début. Mais comme le serpent, il te stresse, en fait, j'ai pas vu qu'il y avait ça là-haut. Voilà, faut moins grimper là-haut, en fait. Bah, si monsieur veut bien, parce que, voilà. Et là, comme un blaireau, je suis mort là, hein. Mais le serpent, il est parti. Bon, à partir d'ici, on connaît pas, c'est déjà cool. J'ai réussi à passer, monsieur le serpent, s'il revient pas en 2 secondes. Ah, enfin! Ah, oula, ça commence à devenir intéressant là-haut. Bon, faut pas tomber. Voilà. Voilà, vite! Et s'il revient, il va nous faire chier, je le sens bien. Marek, il est borgne, mais il va quand même. On sait pas où il est. Faut aller où là? Là, faut aller là, ok. C'est parti, mon kéké. Y a quoi par là? Y a quelque chose par là-bas. Hein. Toujours regarder dans les gauches et droites, si on peut. Y a toujours des trucs un peu cachés par-ci, par-là. Ah, ça on a déjà eu. On en a déjà eu des bonbons. Des bonbons, là. Y a un bruit, là. Bah, faut pas pleurer, hein! Là, y'a rien en bas. Oh là là! Bah, pleure pas, mon gars! Ah, peut-être que je peux l'avoir comme ça, lui! Allez, bim! Mais c'est qui le patron? Bon, pas je me suis fait avoir par les autres, mais c'est mieux que rien. On peut passer par là? Ouais, on peut passer par là. Hey, comment ils ont rien vu? Toutoulou est en train de pleurer là. Et ça, c'est bien ça. Ça, en cas où si je meurs, je peux revenir par là. Je peux revenir. Genre ils m'ont vu. Bah ils m'ont vu.
L'autre, comment... Je sais pas s'il est mort, parce que je sais pas s'il avait deux vies ou une vie. Mais je l'ai pris par surprise. Il y a quelque chose par là ou pas? Je regarde toujours en cas où s'il y a quelque chose. Là, il n'y a rien de rien à voir. Oh non, mais non, mais non, il y a monsieur avec le flingue. Il va venir ou pas? Non, il va pas venir. On va aller surprendre, on va aller surprendre de l'autre côté. On va le surprendre. Si on y arrive, quoi. Ils sont où? C'est qui m'a vu? Ah! Viens, descends! Bah non, mais c'est le jeu! Non, c'est le jeu, je vois rien déjà. Voilà, déjà j'ai mal joué. D'une, je voyais rien. Et de deux, le mec, il est où? Il est là. Tu peux pas venir? Comme l'autre? Attends. T'es où? Toi, t'es là, toi. On va essayer en mode discret, hein, j'ai mal joué là. Oh là 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 là. Oh non! Je suis mort. Mais l'autre, ils sont. Ah, je peux ressusciter, tiens. Ressuscitation. Même si ça se dit pas. L'autre, il est où l'autre? Il est là-bas, ouais, mais l'autre c'est mort, il va me voir de toute façon. À part si je fais un truc de cache-cache. Ouais, il bouge pas. Mais lui, il a un flingue, c'est pareil. Il y a un autre mec là-bas. Est-ce que je peux essayer de l'avoir en. Comme ça. Ah non, mais l'autre il tient des. Oh, mais c'est pas. Je saute. Vous m'aurez pas, je saute. Non, je saute. Rentre. L'autre il a un flingue aussi, il triche. Bah oui, il a un flingue. Il a pas le droit d'avoir des flingues. Moi j'ai pas de flingue, moi. Hein. Voilà, vache! Trop petit! Ah oh ouais, non, on va essayer de l'avoir de l'autre côté. Là, c'est la galère avec. Oula! C'est la galère là! Allez, tiens, vas-y! Pourquoi tu t'es pas accroché? Ah, parce que je fais n'importe quoi, je me trompe de bouton. Wouda! Ninja, mon gars! Un vrai shinobi. Et voilà, ni vu ni connu. Bah, ni vu ni connu. C'est la façon de dire, quoi. Là, il y a un truc rouge là-bas. Là, il y a personne. Et en gros, il faut qu'on aille là-bas. Là, il y a je sais pas trop quoi. Il y a du monde ou pas? Et voilà. Hop. Oh, il y a quelqu'un là-bas. Et courant. Voilà. Oh bon. Lâche, vas-y. Doucement. On va pas se faire voir. Voilà. Quand on veut, on peut. Je sais pas s'il y a du monde ou pas là. Moi je pense qu'il y a personne ce côté-là. Lâche le mur. Je vais faire le tour pour voir s'il y a rien. Non, il y a rien.
Là, il n'y a rien non plus. Je vais pas monter sur l'arbre, je m'en fous. La boulette. Est-ce qu'il y a ma gourdasse? Elle est où ma gourdasse? Elle est pleine. Elle est pleine, la gourdasse. Il y a plein de trucs. Il y a plein de petits trucs sympatoches là. On va essayer de courir. Courir, c'est où déjà pour courir? Je sais plus ce qu'est le bouton pour courir. Et celui-là. Ouais, je pense que j'ai pas tombé là, ça va faire mal sinon. Ah d'accord, il y a un truc comme ça. Ok, c'est parti. Nous avons réussi à les repousser une fois, mais l'armée du ministère de l'Intérieur est bien trop puissante. Et c'est pourquoi vous souhaitez utiliser le pouvoir de mon sang. Quel que soit le pouvoir que vous obtiendrez, vous continuerez de combattre un monstre incapable de peur ou de douleur. Je ne veux pas corrompre la vie d'êtres humains. Regardez cette montagne de cadavres. Ashina ne peut être défendue par des moyens conventionnels. Je ne serai jamais aussi fort que vous, Seigneur Genichiro. Je ne sais pas encore ce que je dois faire. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis que c'est survenu. Attendre ne résoudra rien. Et voilà! Elles sont bien autour des montagnes. Mais attends, c'est des mecs qui arrivent à se mettre tout en haut là. Avec des archers et tout là, mais comment ils se font flinguer? Truc de fou. Je sais même pas où faut aller. On va aller. Il y a quoi par là? On peut aller par là-bas ou pas? On va aller par là pour voir. Oula, doucement. Oh, ça me fait peur, ça. Ah, tu fais une erreur, t'existes plus. Comme t'as envie de voir, c'est les trucs à gauche et à droite, là. Bah, dis donc, il y a du monde là-bas. C'est la fête. Ils ont fait de la fête sans moi, dis donc. C'est un peu cassé. C'est un peu cassé. Il faut que je descende là, faut que je fasse quoi là? Moi, je dis ça, je dis rien, mais on sait pas où faut aller là en fait, compte. Là c'est l'arbre, on s'en fout. Là-bas on a dit qu'on s'en fout. Ah, non, il y avait une porte là-bas. Ouais, c'est ça en fait, il y avait une porte. Ça me sentait un peu bizarre, je devais peut-être sauter, mais. Il y avait une porte. Je me rappelle de la porte. Ne pouvait pas de ce côté. Bon, pas ça c'est fait. À chaque fois qu'il y a une porte, de toute façon, on peut jamais, on peut jamais. On n'est pas du bon côté. Oh, non, 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 non. Bon, bah, je crois qu'il faut sauter, hein. Faut dire, on va voir, hein. S'il fallait pas sauter, bon, bah, je vais mourir. Allez, c'est parti. Voilà, bon, bah, fallait bien sauter. Bon, mais le problème c'est que c'est vachement vaste ici. Il y a quoi là? On peut ouvrir la porte là? Non, on peut pas. C'est la guerre, mon capitaine. Ah, mais je sais pas où il faut aller aussi. Pas les trucs à prendre, non? Non. Oui, il s'est fait cramer là. Là, on voit le mec là. Oh, s'il vous plaît. Bon, bah, ah, si, il y a un truc. Ah, mon nom, oh putain, ça fait peur. Ikyobu Masataka Oniwa! Non, t'es pas obligé. Sur mon honneur, tu ne franchiras pas la porte. C'est donc lui le démon Kubo. Ah, oh merde, ça c'est con, il y avait un boss. Onikage chargé! D'accord.
On se calme. Oh bah attends, le maître. La porte du château reste fermée. Bon bah, un boss. Je m'attendais pas à ça et je me suis fait surprendre. Laisse tomber, je me suis fait surprendre par lui. Je m'attendais pas qu'il y ait un mec qui apparaît comme ça avec un cheval. Puis il est pas petit le mec, il est énorme. Ah ouais, faut que je recommence tout ça. Ah ouais, il y a des mecs à tuer et tout. Ah ouais. Ah ouais, ça c'est un tout petit peu emmerdant. L'autre, faut que tu commentes. Oh, mais là, c'est mal fait parce que j'aurais bien aimé pouvoir être tranquille. Tu sais, de pouvoir recommencer devant lui, quoi. Ah, merde, je me suis pris le mur, qu'il y avait un mur, j'ai pas vu. Bon bah, enfin, quand je recommence tout, ça c'est un peu la galère. Ah oui, bah oui, on m'a vu, bah oui. Regarde le foufou. On se calme, ok, King Kong. Oh mais il est tombé. On se calme, hein. C'est fini. Ah, c'est moins bien que tout à l'heure. Oh la vache, toi. Allez, meurs, ton Gukai. C'est sûr que la première fois, c'était plus silencieux, hein. Notre gros King Kong, là. Bon, il y a lui là. Non, c'est abusé ça. Genre, il me voit pas. T'as jamais regardé, t'as jamais pensé à regarder les yeux vers le bas? Bah, j'ai ça, je dis, allez, va-t'en. Parce que devant lui, il voit rien. Ah d'accord, eh, il parle, on a pas entendu quand il parlait. Et comme par hasard, il m'a vu, il va raconter ça là. Voilà, Rajikushima là. Mike, j'ai pas compris ce que ça veut dire. Et racontez votre live que je puisse écouter. Ah non, mais c'est pas possible ça. Tu fais comment pour écouter son. T'as pour espionner s'il met une voix en 2 secondes. Ah, peut-être ce côté-là, peut-être. Bah non, c'est fortement pas possible. Ah, peut-être comme ça, là. Regarde, un signal de fumée qui part de la porte du château. C'est le seigneur Gyobu. Oui, c'est forcément le démon Gyobu. Ashina est en sécurité tant qu'il garde les portes. Ok, bah là, toi, là, il vient de me dire que... Bah, qu'il y avait le boss qui m'attendait, quoi. Est-ce que j'avais pas entendu la première fois? Est-ce qu'il veut dire qu'on est un peu dans le caca? Mmh.
Comment ça, je fais n'importe quoi? Hey, Son Goku, il va se calmer là. Ouais, mais toi, on peut pas esquiver. On se calme, ok? Non, je vous tue, moi, un par un. J'ai combien en expérience, là? Ah, toujours un. Ouais, mais j'ai bien perdu aussi. J'ai bien perdu. Ah, j'avais pas vu ça. Ah, j'ai pas vu, j'avais pas fait attention, plutôt. Ouais, ça, on avait vu ça. Nous avons réussi, mais l'armée. Voilà, on va passer parce qu'on a déjà vu. Ah, bonjour. On dit rien. Taisez-vous. On n'a rien vu. J'ai pas fait attention qu'il y avait plein de cadavres par terre. Moi, je leur marche dessus. Kokage, mon pauvre, pauvre cheval. Il n'a pris qu'un peu de poudre à canon. Il a été surpris. Et maintenant, il est mort. Mort. J'aime bien combien d'écoute, c'est marrant. Bah, tout ça, j'avais pas tiqué la première fois. Enfin, je suis mort, mais ça a servi à quelque chose. Hein. Bon, l'autre, je vais faire comment pour le battre, l'autre grignolo, là? Parce qu'il m'a l'air d'être super fort avec son cheval. Il est où en plus? Il est quelque part par là. En fait voilà, en fait je pense qu'il faut absolument que je le bats pour pouvoir ouais, pour pouvoir passer. Je sens que je vais encore mourir. Mais il y a un truc avec le grappin. Mon nom est Gyobu Masataka Oniwa. Sur mon honneur, tu ne franchiras pas la porte. C'est donc lui le démon Gyobu. Et tu le dis. Oh my god. On se calme. Voilà, je recule. Ah bah c'est, oh, c'est chaud hein. Alors on se calme là, Jean-Claude là. Ah mais non. Ah je me protège. Ah ouais non, c'est chaud. C'est pas comment pour le battre moi. Oh, toujours debout. Non, non. Autant de fois. Mais je vois rien. Oh, salopard. Les portes du château restent fermées. Mais t'es trop balèze, toi. Trop balèze. Trop balèze, mister. Trop balèze. Ouais, ouais, non, c'est trop chaud. Je sais pas comment je vais faire pour le battre. Il doit avoir une technique, hein. Mais quand il t'agresse avec son cheval, laisse tomber, quoi. Non, Dudu. Ah, tu perds 144 d'expérience direct. Ah, il me faut 442 pour passer au niveau 2 et pour pouvoir apprendre une nouvelle technique ou un truc comme ça. Ce qui me servirait pas à grand chose. Oh là 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 là. Non, il faut que je fasse quelque chose. Mais il faut que je pense, hein. Il faut que je pense à retourner en arrière. Mais je pense qu'on va faire ça pour la prochaine vidéo. Parce que il y a un truc qu'on n'a pas fait. Et je me dis qu'il faut qu'on fasse, c'est avec la petite cloche de Bouddha là. Bah, la petite cloche qu'on doit donner à Bouddha là. Que la vie elle nous avait donné. Et ça on l'a pas fait. Se reposer. Parce que là on peut mourir. L'autre là avec ses techniques il est balèze. Acheter un emblème, on s'en fout. Voyager. Je pense qu'on va revenir en arrière. Là vu que j'ai ça, bah, je vais pouvoir revenir ici tranquillement. J'aurai pas besoin de tout refaire. Ce qui fait qu'on va revenir là au temple en ruine là.
Et on va essayer de donner le petit truc à Bouddha là. Bah, on donnera le truc à Bouddha, je pense, à la prochaine vidéo. Ouais, la 7e vidéo, je pense qu'on va faire ça. Et on va voir ce qui va se passer. Quoique non, je vais donner maintenant parce que je sais pas trop ce qui va se passer. Parce que s'il se passe rien, bah j'aurais fait peut-être ça pour rien. On va parler à Ed qui n'est pas là. Elle était pas là la meuf là. Y'a quelqu'un? Y'a plus personne ou quoi? Tiens, on va voir là-bas avant. Pourquoi tu mets ton épée? Bah ton sabre plutôt. Ou ton katana. Bon, peu importe. Y'a quoi? Y'a quelque chose dedans ou pas? Non, elle est tellement vide. Bon, bah, ça, elle est vide. Oh, tard! Ah! On s'enfuit! T'as tordu, toi, mec, il frappe le mec, il a rien demandé. Hein. Ouch! Bah, la meuf, elle avait une meuf, là. Mais elle croit qu'elle est plus là. Ah, bah, si, elle était là. Qu'est-ce que vous faites? Ah, oh, je n'avais pas vu que tu étais là. Le sculpteur tousse du sang. J'ai pris un échantillon de son sang pour mes recherches sur la peste du dragon. Un échantillon de son sang? Oui, du sang qu'il a craché. La couleur du sang lui-même semble souillée, stagnante. Mais le sang du sculpteur ne suffira pas à parvenir à des conclusions. Puis-je faire quelque chose pour aider? Oui. Apporte-moi des échantillons de sang crachés par d'autres qui souffrent de la peste du dragon. Si j'en ai davantage, je pourrais en apprendre plus sur la maladie. Si je tombe sur quelqu'un qui a la peste du dragon, je lui demanderai. Merci. Ok, donner des graines de. Oh, j'en ai pas assez, ça. Ah oui, utiliser la graine pour augmenter le nombre des atomes. C'est ça, des graines de gourde. Oui, apporte-moi ça. Mets les graines dans la gourde. Parfait. Maintenant, tu auras plus d'eau médicinale dans la gourde. Nombre du donneur, hein, max, un grand médicament augmenté. Quel étrange remède. Étrange? Je ne me vexerai pas de ta remarque. Mais si ça fonctionne, c'est une bonne chose. Que ce soit étrange ou pas, c'est ce que mon mentor Dogen m'a appris. Je vois. Pense à m'apporter les autres graines de gourde que tu trouveras. Je pourrai encore augmenter le volume d'eau médicinale. Non, j'en ai plus des graines de machin, non? Ok, on Au s'en va. revoir. Au revoir. En gros, il va falloir que je reparte voir la vieille, puis qui crachait tout ça. Parce que là, parce qu'en fait, le problème, c'est à chaque fois que je meurs, en fait, il y a la jauge là. Et il y a quelqu'un qui Tiens, s'infecte. ici aussi. Il y a trop de monde aujourd'hui. Parler, présenter les sphères de Shinobi, adapter les nouvelles outillages. J'en ai qu'un aussi, ouais, j'ai que ça. Ces formes de petites. Eh, calme-toi. Hein. Ah, c'est ici. Ah, c'est ok, c'est ici que je dois. Bah, je pense que c'est ici que je dois mettre la petite perle. C'est parti, mon kiki. Ouais, c'est ça. Après, faut que je prie, hein, et voilà. Easy good. Ferme les yeux. Écoute parler la cloche. Et où la meuf? Le son de la cloche va remuer tes pensées et faire ressurgir les anciens souvenirs de leur torpeur. Bon. Il y a 3 ans. Ah, on joue. Ah ouais, c'est pas juste. Ah, je pensais qu'il y aurait une cinématique ou un truc quelconque. Ah non, on va jouer il y a 3 ans de ça, on va jouer. D'accord.
Ah bah on va dire que j'ai bien fait de venir par ici, on va dire de faire ça. L'autre là, jaloux, j'arrive pas à le tuer, l'autre était trop fort. On va essayer de se mettre bien pour la conclusion de cette vidéo. Hup. Oh, je suis balèze, c'est classe. On n'est pas au... Il y a un pont là. On va se mettre comme ça fait bien. Voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires et des petits pouces. Et puis, bah moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous!